Et salut à tous! Coucou. Donc nous voici pour la suite et fin des mercenaires normaux, enfin, normaux on va dire, hein, parce qu'ils sont pluriels, avant d'attaquer les extras. Donc il nous reste plus que deux personnages à débloquer. Et alors, tu vas savoir sur quelle arène tu vas le faire, les autres ou pas? Je sais pas, pour l'instant personne ne m'a dit quoi que ce soit, donc vu que je vais les enregistrer au fur et à mesure, ben je vais choisir moi. Hein. Tu feras Plouploum? C'est Ça plus plus moi. va se. Donc je dois faire le cargo avec Crystals. Donc vous allez voir que c'est un scénario assez, enfin c'est une arène assez compliquée quand même, puisque le boss de Sage vient en double. Donc il y a intérêt de savoir cavaler en fait. Alors j'ai pas l'habitude de commencer par là en plus, ça tombe bien. Je crois que c'était un bonus temps, lui. Avec ses lumières. Donc là, on entend le boss arriver. Comme je disais, ils sont en double. Voilà, c'est ça. Sauf que là, c'est les frères Ashley, là. On va dire que c'est les frères Vincent, mais non, c'était pas les jumeaux. J'aurais bien aimé. Ah, à moins qu'ils viennent en double que quand on est à deux joueurs, je sais pas, parce que je sais qu'avec Devil X, ils étaient venus en double. Oh, si c'est que ça. Ah, il s'est couché sur le dos, il n'y a pas bon pour moi là. Là, il n'y a pas bon pour moi. Par contre, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un soin en fait. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Voilà, là il est mouru. Donc ça, hop, 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 et hop. Voilà, on est bon. Et ouais, ça, c'est évident. Donc je vais prendre ça. Je vais faire ça. Ah, mais ça les tue pas. Hop là.
Oula, c'est quoi qui a explosé là d'un coup? Oh! Bon, c'est pas que, mais j'ai du temps à récupérer peut-être aussi encore, non? D'ailleurs, l'autre il est revenu. Donc, je vais chercher un autre lance-roquette. Je me trompe pas de chemin, hein. Alors là, je suis complètement paumé. Là. Je sais pas du tout où je suis. Ah, d'accord, ok, aucun rapport. Voilà, là j'y vais. Je suis pas sûr que ça les touchait là. C'est ce que je suis en train de me dire. En fait, je pense que tu as un peu tapé au milieu en fait. Non, j'étais pas du tout sur le bon chemin en fait. Putain, j'ai que ça. Hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai le magnum aussi. Où oh, j'oublie ça. Oh putain, c'est ils sont deux maintenant. Pas le moment de se surprendre par derrière. Oh putain, cul-de-sac. Je suis con, j'ai la carte, je peux pas le voir. Alors, le lance-roquette, c'est par là. Suivez-moi. Je vous y amène. Non, non. Bah, non. Non. Bah, c'est des munitions de. Non, mais il y avait un truc. De lance-grenade. Ouais, je vais descendre là, de toute façon je les aurai pas sinon. Je me suis trompé d'arme. J'ai pas beaucoup d'ennemis en fait, hein. Je vais bien faire du score moi, mais finalement, hein, mis à part à cavaler pour pas me prendre les tronçonneuses, je veux dire. Je sais pas où elle se rend, la tronçonneuse, c'est bien. Eh ouais, merde! Putain, je bouge pas, y'a personne qui vient, quoi. Oh putain! Ah oui, d'accord. On va remonter, hein. Pendant ce temps-là, on va combiner ça et ça. Ça, on va s'en servir. I'm in the
Mais que c'est, il peut plus d'en bas ou quoi là? Ouais, mais bof, hein, 34 000. Je vais te défoncer les gueules, Chris. Non, mais pas fier de moi, hein, vraiment, pas une belle partie. Hein. Voilà, donc le plus dur, la plus dure des arènes, hein, c'est les verrouiller. Ah, il faut l'avoir en A probablement pour déverrouiller le personnage alors. Eh oui, c'est ça. Donc, bah, faudrait que je le refasse en fait. Ah, bah, ça tombe bien, je vais le refaire avec l'autre personnage que j'avais débloqué. Donc, qui est Cheva Tribal. Je vais essayer de faire le rang A avec elle. Hein. Vous allez voir que c'est bien d'avoir l'arc et la flèche illimitée, mais. C'est un peu comme Krauser dans le 4, niveau cadence de tir, c'est pas ça quoi. Ah. Vous visez droit, c'est pas évident. Déjà ? Ouais. Quand tu commences ici, il est déjà là. En revanche ? Eh non. Ah ah ! Tu as cru, hein ? Bah oui. Rien que t'aurais aimé. Non. Oh, comme il est pas passé loin, lui. Ouais, ça, c'est évident. Ouais, d'accord, moi je descends juste au moment où il est là en fait. Non, là, aïe! Elle y passe pas. Bon, juste hein. Faudrait que j'aille m'en débarrasser, comme ça j'en parle plus. Il est gentil, hein, depuis tout à l'heure, à attendre que je me casse avant de tirer. Enfin, de donner le coup. Là non. Pouah, putain, je passe pas loin à chaque fois. Hein. Bon, par contre, au niveau du temps, là, je vais vraiment pas passer loin. Je sais même pas où il y en a là à côté. Ah, bah, juste là. Eh ouais. Oh là là, mais faut. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai un soin. Je vais m'en servir avant de monter. Ah.
Moi, je crois que ça va battre avec elle que je vais y arriver, hein. C'est moche. Ah, sur le dos, ça m'intéresse pas, putain, enfoiré. Qui c'est qui va la poupée? C'est Bibi. Et ouais, là, oh putain, le temps qu'elle se relève et tout, c'est même pas la peine. Eh ouais. Donc voilà, vous avez vu, je sais pas. Bon, voilà. Non. Je vais m'y continuer, je voulais pas. Ouais, je suis désolé, je vous la montre tout, parce que je sais pas du tout jouer avec elle. Alors, on va la faire à la bien, je vais prendre Wesker. Ou alors, je prends Chris à... Non, je vais pas voir le personnage de Noob, je vais prendre Wesker. Après, moi, j'ai réussi à viser correctement un peu, hein, parce que putain, je vise souvent à côté. Mais j'ai bien le reconnaître. Bah oui, mais d'ailleurs, j'ai jamais vu le contraire. Hein. Encore une fois sur le dos, sans qu'il ait. Donc désolé, vous avez entendu une petite musique de Silent Hill, c'est mon téléphone qui s'est mis à sonner. Je sais pas qui c'est qui m'appelait. ma femme a raccroché. Ouais. C'est un numéro que tu connaissais pas en plus. Ah, j'allais dire, au moment où je tire dessus, il me... Donc là maintenant c'est le message de Charles Gondor. Allez, on pousse tout le monde. On les fait péter. Voilà. Non. Non plus. Alors, où c'est que tu tombes ici? C'est vrai, c'était là-bas que je voulais aller en fait. J'espère que ça va vous faire la vidéo en un coup parce que comme il y a une tonne d'orage chez moi, si ça coupe, je suis écœuré. T'as pas de sauvegarde, même si ça coupe comme ça, il est... Bah, si ça coupe comme ça, non, j'aurai pas de sauvegarde, non.
serait pas bon ni pour la PS3, ni pour la télé, ni pour, le PC surtout. C'est clair. Surtout que le disque dur, il en a suffisamment bouffé des coupures là, quoi. T'es sûr que j'ai pu avoir de place? Non, non, les gars, je ramasse des affaires, vous avez pas le droit de me toucher. Ouais, tu t'en sors bien avec Wesker, ça va? Ouais, ça a l'air. Voilà, quoi que les incapacitantes, je peux. Pas le truc à combo? Ouais, je suis con en même temps, ouais. T'as qu'à faire. Comme ça, regarde tout le monde qui arrive. Mais faites boum. Voilà. Intelligente ta femme. Non mais j'attendais une réponse, pas un petit rigolement. Un petit rire. Ah, ça se vérifie de temps en temps, on va dire. Oh, de jouer. Ça m'énerve quand ils font ça, quand ils te cavalent, mais alors, mais putain, mais à l'ouest de toi en fait. Forcément, tu rates la balle. Voilà, un de mort, et l'autre il va se lever après, c'est pas grave. Est-ce que tu veux l'attendre? Ouais, j'ai pas l'air à côté de lui trop non plus, hein. Ouais, lui, je savais qu'il allait me faire chier. Voilà. Je vais chercher du temps. Quand le temps bat, tout s'en va. Et on va se soigner un coup. Tiens, il est déjà là, le silence tronçonneuse. Apparemment. Non, il a dû les perdre. Le pire, c'est que je suis pas loin, à chaque fois il me tape en dessous. Alors, je vais chercher les derniers temps qui me restent. Hop là, c'est pas par là. Mais par là. Alors, faut que je fasse gaffe parce que monsieur Tronçonneuse, il est là, il est là. Allez, prends-le, ton lance-roquette. Ça fait bugger le son et tout. Ouais, mais j'ai un gros score aussi, je suis content. J'ai encore 2 minutes 25 à tenir en plus. Ce serait bête que tu meurs. Ce serait bête que l'orage me fasse tout couper surtout. Ouais, il est plus là. Une grosse éclair et... Une grosse éclair. Ah, on a eu une grosse éclair. J'ai pas dit ça avec l'accent. Non, mais t'as dit qu'on a eu une grosse éclair. Le
d'un gros éclair. J'ai également de qui à moi qui ressort. Qu'est-ce que j'ai comme truc moi? Attaque du cobra. Attaque du cobra. Chute accablante. Chute accable. Hey, déjà là. Donc je disais, je voulais passer par où moi? Par là. Là, je sais pas s'il y a moyen de monter par là. Ok. Non. Pas par là. Hop là. Ah, tu vois, il arrive fort là. Ouais, si j'ai vu, c'est pour ça que je me suis pas emmerdé. Tu sais, c'est marqué coup de poing de je sais pas quoi, il donne un coup de pied. Moi, c'était marqué coup de pied, mais j'ai du coup de poing, je sais pas. Je sais pas. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'est bon, j'ai tous les temps. Hein. Oui! Non! Oh putain, c'est parce que je voulais un. Oh, comment je suis pas passé loin. Oh putain, 69 000 quoi. Oh, j'aurais eu la rage. Oh putain, le con. Comment j'ai failli mourir bêtement quoi. Allez, là tu vas me gonfler longtemps là. T'arrives quand tu veux mon gros. Ah, ça va me faire plaisir. Ah mais j'en ai déjà du son en plus. Là il faut bien que je me soigne hein. Voilà, un petit rang S, tranquille. Même pas mal d'abord, même pas mal d'abord. Bon, voilà. Hein, après 3 tentatives d'échec. Donc, on a Jill tenue de combat. Alors, en fait, c'est Jill qui est... Non, mais c'est Jill quand elle est avec Wesker. Oui, on va le voir, mais voilà. Et donc, on va essayer de le faire avec elle. Bien, on va essayer. Quoique ça a l'air d'être faisable. Donc remarquez son joli décolleté. Hein. Bon alors là c'est un monde totalement créé par les mecs de Capcom, donc aucun rapport avec les scénarios. Hein. Et pff, il est chaud. Il est hyper grand, il est vraiment bouillant. Alors en plus, faut me remémorer tout ça, ça va être rigolo ça aussi.
Alors, ouais. Voilà le boss. Et je vous assure que c'est the boss, hein. Ah, voilà, ça c'est fait. Je pouvais pas faire grand chose direct. Hein. Ah, est-ce que j'ai des soins moi? Oui. Et hop, petit soin, ça fait du bien. Alors remets-moi l'échelle, s'il te plaît. Mais passe pas au travers, moi, t'as qu'à faire. Il est une bête. Le pire, c'est qu'il faut que j'arrive à me remémorer où se trouvent les. Et les points de temps, ça va être chaud. Je crois qu'il y en a un en bas. Ah, ben non, il est là. Ouais, en fait, on est sur la planète. Ouais. Oh putain, l'enculé quoi. On est sur la planète du volcan, pourquoi quand on va en avion dans le jeu on change de planète carrément? Non mais oui, mais voilà. Non mais ouais, non mais oui, mais voilà. Très, vous remarquez que les arguments de ma femme sont. Comment dire, on peut pas les contredire. On est pas dans une planète, mais on est dans un endroit de la Terre où il y a du volcan, mais c'est un monstre avec John. Ouais, dans l'autre planète. Nous sommes dans la tête de Wesker, voilà où. Donc je suppose que celui-là faut le finir en S pour débloquer. Non, celui-là faut le finir en A aussi pour débloquer le personnage. Oh que non, si oui, il y a un personnage débloqué, je crois. Pas dire non, hein. Voilà, par contre, c'est ce qui me semblait. S'il y avait le gros noir, c'est qu'il y avait le gros tout court. Je viens d'esquiver son coup, je sais même pas comment, en fait. Remarquez sa résistance. Hein. Putain, heureusement que je l'ai arrêté juste au con. Ah, un temps. J'aurais aimé esprit, mais. On va se contenter du temps. Prends l'herbe verte. Voilà. C'est toi. Et courage, fuyons. Eh ouais, tu parles. Un spray ça. Ah non, c'est une grenade. J'ai raté ma cible. Ah, c'est galère, hein. J'ai que 6300 points. T'as une herbe verte derrière toi, mon gros. Je suis obligé d'y aller. Oh putain, j'ai fait encore me reprendre un coup pour rien quoi. Autant dire que tu t'en fous hein. Tu peux me parler franchement, tu sais.
crois que j'ai récupéré tout le temps, hein. Mais bon, ça va être chaud là si j'ai récupéré tout le temps, parce qu'il me reste plus grand chose, hein. Il me reste plus grand chose et j'ai pas beaucoup de points, hein. Ah non, enfin ouais, mais bon, peut-être me restait que lui et puis c'est tout, hein. De merde. Qu'est-ce que je vois que c'est en là aussi. Ok, tu dégages, s'il te plaît. Ah, c'est un... Ah merde. Je vérifie avant quand même si ça l'arrête, parce que sinon... Ah ben voilà, j'ai réussi à l'avoir ce gros. Non ? Ah non. Ah non, ah non, ah non. Oula, il peut rater celui-là. Hein. Ah ben voilà. Remarquez comment les points des coups montent, hein. Ouh, ça s'arrête plus. Ouh. Alors, allez, viens aider les ennemis. 28 000 points, ce sera pas suffisant. Putain, mais t'en tues un pour en avoir un autre. Ouais, mais là j'ai plus peur là maintenant. Non, je me bats comme une guerrière. Eh ouais, tu rages, hein, tu rages, faut que tu rages. Le cul que j'ai eu, Fada. Hop, hop. Touche du but. Je me colle là-bas. Putain! Putain! Ah, j'ai mis la scène de tête par contre. Donc bah voilà, rang B, hein. T'es obligé de le refaire. Hein. Alors, avec qui est-ce qu'on le refait? Alors, on le tente à la Wesker. Hein. Allez, soyons fous. Ça va vous faire une longue vidéo, du coup. Hein. Donc, il y a 40 minutes, là. Mais bon, à bout de 40 minutes, t'aurais dû le faire avant, quoi. Ça, je sais, quand elle sera réglée la vidéo, là, 40 minutes, ça va faire long, là, hein.
Ça fait bien, hein, ça ferait une bonne sonnerie de téléphone quand on t'appelle. Ah, j'ai envie que ça t'arrête au moins. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a une baisse de tension là, d'un coup. Ouais, je sais, j'ai vu ça. Que si ça, ouais, si ça plante, c'est vraiment dans la merde, quoi. Ah, si ça plante, là, ça fait 40 minutes de vidéo pour rien. Hein. Bah, dépêche-toi de finir quand même. Ouais, mais je fais ce que je peux. Bah, c'est plus pour toi, hein, moi. Tu sais, c'est... je joue pas, moi. Bon, t'as fait un jour du score et tout. Dans la partie précédente, tu t'as fait un jour du score quand même. Bah, celle-là aussi, je suis en train de bien faire là. Ah ouais, putain, je voulais aller récupérer la grenade et. Là, j'ai encore récupéré aucun temps, hein, et. Enfin, aucun temps, très peu de temps du moins. En gros, il me reste encore tout à faire, hein. Ah, il va te chercher. Ah, lui, ouais, il va me gonfler, lui. T'as même pas pour sélectionner ce que je vais dans le menu, là, ça me gonfle ça. Comme un Call of. Ouais. Putain de merde. Allez, mais quitte-le ce putain de menu. Oh, des fois quand tu veux pas, hein, merde, hein. Putain, juste pour faire ça, oh. Quelle galère. Oh oh oh, comment j'ai l'esquivé. En plus, pour rien, ça n'a même pas touché l'autre. Ça a bugué. Les gars, cassez-vous. Merci. C'est pas le but non plus que je puisse spammer au taquet, quoi. En même temps, je tue pas beaucoup d'ennemis, donc tu regardes bien. Ce qui fait que c'est normal qu'il me lâche pas beaucoup de munitions. Tu veux pas, hein. Je vais pas insister pour rien. Oh là là. Oh con. Dieu cela. Ouais,
m'aurait étonné. Fais pas chier. Hop là. Bon, il est où le gros? Ah, on peut pas passer par là, tiens. J'ai cru. Ah putain, mais c'était lui en fait, d'accord. Ah bah il est là. Ah, coucou. Eh ouais. Ah putain. Il passe où l'autre? Là il est là. Oh, coucou. Ah, c'est juste ce que j'attendais, que les deux se mettent à se superposer l'un à l'autre. Pas gaspiller de balles. Ah, il a explosé. Aïe! Il m'a explosé à la gueule, donc. Allez, régénère-toi, que j'ai un gros soin en plus. Voilà. C'est bien, ils attendent que je me soigne, c'est gentil. Putain, mais j'ai que 40 000 points. Quoique si, je crois que 40 000 points ça suffit pour le rang A. Ouais. Le rang A c'est 60. Donc ça suffira pour déverrouiller le personnage. Alors ça, on va vite recharger. Voilà. D'accord, c'est pas ça du tout que je voulais faire, c'est pas grave. Ouais, d'accord, plus loin la prochaine fois la grenade, les gars. Ah, ben voilà. Moi qui me demandais où c'est qu'il était passé, ben voilà. Prends-la la grenade, putain. Ah il galère hein. Ah oui d'accord. Normal qu'il galère. Allez, mais pousse-toi, mais sérieux, mais putain. C'est pas autant chier d'habitude quoi hein. Ce serait bien que je le tue avant la fin là. Eh non, tant pis. Dommage. Mais bon, voilà. Je
j'aimerais le rang A. Et donc, je déverrouille le dernier personnage, le Whiskers, en Stars. Excuse-moi. C'est pas obligé de me frapper que je dis. Donc voilà, il restera les deux derniers personnages à vous faire. Donc ce sera. Donc le Jilt in Combat dont je vous l'ai déjà fait. Bah, il y a que Whiskers Stars. Whiskers Stars à vous faire. Hein. Allez, je vais vous prendre le centre pour le faire, tiens. Tu préfères pas enregistrer d'abord avant que. Bah, t'as qu'à faire, il reste plus qu'un personnage à faire, je vais. C'est pour toi, hein, si ça coupe comme ça après. Hein. Ah bah, tant pis, ça coupera, hein, mais bon. Alors, vous voyez son équipement, donc il a le Hydra, donc fusil à pompe que j'aime pas du tout, parce que pour recharger, il est hyper long. Par contre, au niveau de la portée, c'est clair qu'il est au top. Donc, le Magnum et le pistolet. Hop, on est parti. On va le prendre de suite. D'accord. J'appuie sur carré pour justement passer la scène. J'ai plus le moment qu'il a dû me bloquer 3 heures dessus. Voilà, remarquez que c'est assez troublant comme il vise. Pour ça aussi que je n'aime pas ce fusil à pompe. Ouais, bah du moins que tu t'en fous que je te tire dessus, hein, je comprendrai pourquoi tu me fais ça, mais mais là, personnellement, pas compris, là, hein. Putain, je te fous 5 balles dans la gueule, tu t'en bats les couilles, quoi. Non, encore, hein, il a pas envie, hein. Voilà qui ira mieux. J'ai le temps de rien faire, c'est impressionnant. Bon, on va leur commencer en espérant qu'ils sont moins chiants. Parce que là, vraiment, ils m'ont laissé aucune chance. Hein. On s'en fout de ta vie. Alors ça, jeter, oui. Ça, jeter, oui. Voilà. Je me sentirais bien mieux avec un Magnum dans les mains. Ouais, c'est bon, vous transformez tous, hein. Donne-moi de suite, hein. Hop.
Lui va exploser, il va pas se transformer. Lui aussi va exploser. Alors ça c'est un petit endroit aussi un peu piège, puisqu'on peut enfermer, enfin faire en sorte que tous les ennemis aillent dedans, et après il y a un levier à actionner pour faire baisser les... Épique. Ah, ouais. Ah, coucou toi. Ça c'est obligé. Vu que je tire à côté. Cavale. Je connais l'herbe rouge, j'ai pas le reste. Ah voilà, l'herbe verte qui va me sauver la vie. L'autre avec son lance-roquette en haut là, qu'il sait pas où se mettre. Voilà, vous voyez comme c'est lent à recharger. Hein. Prends son temps. Hein. Si j'ai pris ça de suite. Ça évidemment. La vie se transforme. Ah, les liqueurs sont là, putain. Putain. Les deux transformés et tout, quoi. Vas-y. Ah, putain, la langue. Ah, ça fout rien. Allez, lâche-moi. Tire, tire! Voilà. Ah putain, c'est génial. Ouh! Regardez ça. C'est à prévoir. Ah putain, le monde qu'il y a, quoi. Voilà, je vous disais qu'après les liqueurs, ça vient en paquet. Hein. C'est pas pour déconner. Là, je vais essayer d'en faire venir un maximum. Hop là. Voilà.
Ouais, but just, hein. Avec les billes qui tombent, normal, quoi. Donc, vous voyez, hein, c'est, là, vous l'avez vu clair, net et précis, que les liqueurs, ça ferait, c'est assez scandaleux. Hein. Oh, ça arrête pas. Hein. Donc, ça, un max de combo de 25. Ouais. Wesker, ça reste du Wesker quand même, quoi. Hein. Voilà, donc cette longue vidéo s'achève donc finalement maintenant. Hein, au lieu de vous avoir fait que deux personnages, ben, je vous en ai fait quatre. Vous avez largement de quoi vous régaler. Et donc, ben, les prochaines vidéos, ça va être quoi, sur les extras mercenaires. Donc, ça va être toujours les mêmes arènes, mais ça va être des nouveaux personnages. Voilà, donc on va vous enregistrer ça le plus tôt possible, en espérant que ça plante pas à cause de l'orage. Et puis de vous mettre ça le plus tôt possible sur la chaîne, comme ça après le lundi, dès qu'on a Resident Evil 6, on vous l'attaque. Voilà, sur ce, à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.